Ok, je viens de faire les petits matchs du nouveau mode de jeu Attack ERH. Ou pour ceux qui ont le jeu en anglais, c'est le mode Rush. Ça se joue vite. Pour ceux qui vont jouer longtemps, par exemple, j'aime mieux développer mon gros club en mode équipe de rêve. Mais bon, ça a donné plein de petits packs. On peut bien ouvrir ça pour voir qu'est-ce que jouer à peu près 20 minutes du nouveau mode de jeu, qu'est-ce que ça donne. Bon. Même si j'étais bien fou d'un playoff avec Dallas, Gurianov, sa carte de 79, ça change pas grand-chose dans mon club. Ok, maintenant un pack 2 joueurs. Ok. Non, c'est pas fort. Ok. Comme je disais, j'ai regardé là, tout l'onglet des récompenses du mode attaque ERH. C'est sûr, on peut facilement monter de catégorie. Oh, Mariana, ça. On n'aurait pas pu avoir une spéciale déjà. Ben non, une de base 115. Oh là là. Ok. Fait que c'est ça, on monte vite de récompenses. Une petite game par-ci par-là, puis boum. On a déjà pas mal de points pour monter de catégorie. Mais je sais pas. Pas sûr que j'aime bien ça comme principe à long terme. À court terme, ok, c'était bien le fun d'y toucher un peu. Puis là, ça m'a donné même un collecteur, mais je pense que ça va juste être un seul collecteur de l'événement génial ou brave. Ben ouais. Ça m'en prend genre 7 pour faire quelque chose de bon avec ça. Fait qu'il n'y a qu'un. Nah. Et déjà, ma dernière récompense pour le mode Rush. À date, aucun joueur qui perce l'alignement. Ouais, ben, ça a rien que donné des joueurs faire des collections. Ça donne des cartes gratis bien vite, mais entre ça puis jouer un match rivaux, bon, j'aime mieux jouer un match rivaux. Ben, écoutons, on l'aura essayé. Ah, peu bon l'en faire une autre, là. J'étais sur le bord d'atteindre un nouveau plateau. Fait qu'on se relance, Hot Rush! Bon, une autre belle victoire. Parfait. Nouveau plateau, un petit pack mini. Ok, parfait. On va l'ouvrir. Bon, on sauve ça, le pack mini qu'on a eu. En atteignant, si je ne me trompe pas, le cinquième plateau du mode attaque ERH. C'est sûr, dans la vidéo, on a aussi eu une ou deux récompenses que j'ai eu le temps d'avoir juste avant qu'il reboot l'événement. Est-ce qu'on peut avoir un gold? On n'en a pas beaucoup. C'est des chandails à date et en plus, on peut même pas les vendre. Et même si je pouvais, et que j'ai de la misère à faire des ventes en cette début d'année, ça marche pas mes affaires aux enchères là. Je vends très peu de cartes. Et comment qu'on finit ça? Ouf, un silver. Ah non, le mode rush dans mon cas là. C'est sûr que c'est des games bien vite faites, ça prend pas grand temps, mais hé, la lac, les récompenses m'ont pas aidé. Ouais, ben finalement, j'ai parlé trop vite. Hot Rush m'a permis d'ajouter un nouveau joueur à mon alignement. Gurianov, on a une place pour toi sur le troisième trio. Et c'est pas tout. Ces synergies sont activées, oh que ça va pas nuire. Bon, ben finalement, je manque vraiment de punch à l'attaque. J'ai joué un petit peu. Jusqu'à atteindre le niveau 8. Donc là, cette fois-ci, récompense qui a peut-être plus d'allure. Un joueur, non échangeable encore une fois, mais 82 garantie. J'ai plein de gars d'instant T10. J'en ai besoin. On l'ouvre. On veut de l'attaque. C'est pas de l'attaque, ça. Oh, gros attaquant, ça fait peut-être mon style de jeu, plaque pas mal. Intéressant. Ouais, attaque encore, joueur plus de finesse, ça fait pas pantoute avec mon style de jeu, on l'oublie. Ouais. dans la vraie vie, il est bien le fun, il est bien du grit, bien du vouloir, mais dans un jeu comme Hot, ça sert à rien d'avoir bien du vouloir, faut être gros, les petits. Il plaque pas. À quoi il va? Chris Kreider. Un coup de main qui va être largement apprécié. Bienvenue dans l'Anana Express, mon Chris. Oh, que ça fait du bien de voir ça qui s'ajoute à l'équipe. T'assurer d'un spot. Et voilà, on rajoute du muscle à la première ligne. Ça m'a permis en plus de tasser de mon équipe un gars de 77. Ça prend forme. Puis si jamais vous dites, hey,
Je vois que t'as un 113 sur le quatrième trio. Oh oui, mais c'est un pan de mur qui plaque tout ce qui bouge. On le garde. Demain, on joue à World of Shell. Ah non!